Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser une émote devant les statues de pierre. Alors j'ai fait une vidéo précédemment sur ma chaîne, mais je me suis un peu trompé. Je vous avais dit que les statues à Coral Castle fonctionnaient, donc elles fonctionnent. Hein. C'est les statues qui se trouvent plus ou moins par ici, hein. C'est vraiment des statues dans Coral Castle. Moi je vous avais montré un peu plus sur la gauche par ici, mais donc je ne sais pas si ça fonctionne. Mais en tous les cas, les autres statues que je vous avais montrées qui étaient par exemple à Holy Edge, à côté de Cathy Corner par ici, ben, elles ne fonctionnent pas. Donc là je vais vous montrer des statues qui fonctionnent à tous les coups. Donc regardez, c'est les deux statues là, les deux statues de lama. Donc ce que vous allez faire, bah, c'est que vous allez vous rendre au même endroit que moi, au-dessus de Colossal Coliseum, voilà, exactement là. Vous tapez une petite danse et voilà, utilisez une émote devant les statues de pierre. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire directement à Coral Castle. Logiquement, il y a des grosses statues, il y a des petites statues. Essayez de danser devant pour voir si ça valide le défi. Mais si ça valide pas, ben, venez ici et là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.